चलने दो जरा। Je vous l'avais dit. Il ne veut pas me parler. Mon fils ne veut plus me parler. Et moi, j'en suis l'unique responsable. Ragini, écoutez, Arav vit là-bas depuis un an. Dans cet environnement, avec cet entourage, c'est tout à fait normal qu'il subisse une mauvaise influence. Il est tout seul. C'est peut-être pourquoi... C'est notre faute. Arav n'a pas tort. Nous n'avons pas été assez à l'écoute de ses besoins. La solution est de faire notre possible pour le faire sortir de là. Et le plus tôt possible. Et une fois qu'il sera parmi nous, Ragini, je suis sûr qu'une fois de retour, il changera et il comprendra. Oui, il comprendra à quel point sa mère l'aime. Alors, vous croyez que... c'est remédiable? Pourquoi pas? Ragini, je suis absolument certain que vous les aimez et vous faites tout pour leur bien. Vous... vous êtes sa mère. Sa mère. Jusqu'à quand pourrait-il vous tenir à l'écart? Oui, ça va lui passer. Ce sont des choses qui arrivent. Parfois, les relations sont tendues, mais tout va s'arranger. Ragini, vous pouvez me faire confiance. Votre fils va vous revenir dans très peu de temps. J'attends ce jour avec impatience. Je sais qu'il va refuser de me parler durant les premiers jours. Mais quand sa colère s'apaisera enfin, il va recommencer à se rebeller. Il n'en fera qu'à sa tête, mais je ne veux pas que ça recommence. Je n'en peux plus. J'espère qu'une fois qu'il rentrera chez nous, nous pourrons repartir tous à zéro. Maman ! Arav ? Je comprends... Je comprends ce que tu ressens, vraiment. Je sais que Arav te manque, hein, pas vrai? Sache que il nous manque à nous tous aussi. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'aider, de ne rien pouvoir faire. Je ne peux ni remplacer Arav dans la famille, ni le ramener à la maison, tu comprends? Waouh, papa! C'est l'anniversaire de tante Dimpy et de l'oncle Karan. Ouais. Tout le monde n'est pas au courant. Certaines personnes ont dû oublier, je pense. Agam, je suis toujours fidèle à mes responsabilités. Alors ne t'inquiète pas. Les plaisantes comme les pénibles. Il est bon de savoir que certaines personnes... n'oublie pas entièrement leur passé. Très bien. Alors, toi, tu dois certainement avoir une idée comment fêter leur anniversaire demain. Maman, tu peux faire un gâteau? Bien sûr. Génial. Alors, on leur organise une fête ce soir? C'est une très bonne idée. Oncle Karan a dit que vous aviez chanté une chanson ensemble lors de leur premier anniversaire. Alors, on refait ça ce soir? De quoi est-ce que tu parles? Voilà une idée saugrenue. C'était il y a bien des siècles, oui, à un moment. Hé, et pourquoi pas? Ça pourrait être le meilleur des cadeaux, non, hein? S'il te plaît, papa, chantez ensemble. En plus, maman a dit... Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est ce genre de moments qui font de bons souvenirs. Alors allez-y, je t'en prie. Absolument pas. Tu vois? Oh! Allez, continue, 18. Continue. 19. Allez, jusqu'au bout. 20. 21. 21, encore une.
Qu'est-ce qui se passe? 21. 21? Tu l'as compté deux fois. Et moi, je te croyais intelligent. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai rien compris. Ce que je dis, c'est qu'en Inde, après 21, on compte 22, tu sais, voilà. Est-ce qu'en Amérique, vous comptez deux fois 21? On compte exactement pareil en Inde et aux États-Unis, mais je t'ai déjà dit, si tu descends pas jusqu'au bout, ça ne compte pas. Oui, mais... Une seconde, qui est l'entraîneur ici? Toi. Et qui veut être en forme rapidement? Moi. Et pour qui tu fais ça? Pour ma mère. Quoi? Quoi? Non, pour Nissi, bien sûr. Ouais. Oui. Bon, d'accord, je m'y remets. C'est mieux. Jignesh, dépêche-toi, tu dois encore boire ton jus de figue. Agam, arrête de manger et vérifie qu'ils ne viennent pas. Non, ne t'inquiète pas, je suis sur mes gardes, ne t'inquiète pas. Maman, je suis tellement heureuse. Nous allons fêter un anniversaire. Tu sais ce qu'il y a de si spécial cette fois? Nous allons tous être ensemble, toute la famille entière. Maman, papa, les frères et les sœurs et... Maman, le gâteau est prêt? Pourquoi est-ce si long? Pourquoi il n'est pas encore prêt? Encore combien de temps, dis-moi? Il est bientôt prêt, Arav, la pâte est prête. Il ne me reste plus qu'à le mettre au four. Mais il va falloir attendre qu'il cuise, d'accord? Je meurs d'impatience, c'est trop long. Dépêche-toi, je t'en prie. J'en peux plus, j'aime tellement tes gâteaux, c'est incroyable. Maman, tout ce que tu prépares, pas juste les gâteaux, est vraiment délicieux. T'es une championne, je t'aime tellement. Dis-moi une chose. Oui? Que feras-tu quand je ne serai plus là pour te cuisiner tes plats préférés? Je ne sais pas du tout. Prions pour que ça n'arrive pas. Que cela n'arrive jamais. Allez, dépêche-toi de cuire le gâteau. J'ai trop envie de le goûter. Un peu de patience. Mais je vois que vous en sortez bien sans moi, c'est pas la peine. Je pense que tu as oublié de préciser à Swanny que si son père fait une erreur, il est assez honnête pour l'admettre et corriger ses actes. Reconnaître ses fautes ne suffit pas pour les réparer. Tu dois faire plus d'efforts, tu sais. Swanny, maman et papa semblent très émus, hein? C'est à cause de l'anniversaire qui approche. Ouais, j'espère qu'ils vont chanter ensemble ce soir. Ah oui, c'est ça. Non, ça serait trop cool. Absolument pas. Dis-moi quelque chose. Quoi? Que feras-tu quand je ne serai plus là pour te préparer tes plats préférés? Prions que ça n'arrive jamais. Et alors? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Mange. À ce qu'il paraît, ta mère a appelé. Mais t'as pas voulu lui parler? Tu passes ta journée à te plaindre que tes parents ne viennent pas te rendre visite. Et maintenant qu'elle t'appelle, tu ne veux pas lui parler. Et en plus, tu fais la gueule maintenant. Mais c'est de ta faute, tout ça. À mon avis, tu sais. Si ta mère te manque, alors... Elle ne me manque pas du tout! Dimpy? D'après toi, est-ce qu'ils vont s'en souvenir? Eh oui, je crois que oui. Ils vont certainement s'en souvenir. J'ai l'impression qu'ils préparent quelque chose. Karan, une surprise est censée être une surprise. Oh. Écoute, tu sais, Dimpy, tu sais, tu restes détendu comme une princesse, en fait. Mais laisse-toi un peu aller, quand même. Je veux dire, des fois, tu es vraiment trop coincé, écoute. Tu devrais un peu te lâcher. Chut, joyeux anniversaire. Quel anniversaire? Karan! Non, mais je rigole! Joyeux anniversaire, Dimpy! Joyeux anniversaire! Fermez tous les yeux! Ils sont en train de célébrer leur anniversaire! Allez, allez, venez! Il y a vraiment une surprise! Une surprise, quelque chose dans ce genre! Allez, venez! Alors, je vous préviens, je viens que s'il y a une... Vous verrez! Je sais pas! Je sais pas! Joyeux anniversaire, Karan et Dimpy. Merci, Neil. Joyeux anniversaire, les amis. Je n'arrive pas à croire que vous êtes ensemble depuis si longtemps. Que ça continue. Merci. Merci. Bon, allez, coupez le gâteau, parce qu'on ne peut pas se réjouir sans une part de gâteau. Surtout si c'est un gâteau préparé par Ragini, alors. Allez, coupez le gâteau. Docteur Aman a très faim.
Il aime les gâteaux de Ragini. Docteur Aman, vous savez qu'il ne s'agit pas de votre anniversaire? Neil. Ah, allez, coupez le gâteau. Oui. Oui. Oh mon Dieu, Ragini, ce gâteau ressemble à celui que tu nous as préparé pour notre premier anniversaire. Allez-y, je vous en prie. Ne vous gênez pas, Docteur Aman. Ragini en fera un autre s'il n'en a pas assez. Non, merci. Je croyais que tu aimais le gâteau au chocolat. La personne qui le prépare compte plus que tout. Écoutez, maintenant que tout le monde a mangé, je voudrais dire quelques mots. Dimpy, cela fait maintenant un certain temps que nous vivons ensemble. Et ce fut un véritable plaisir, vraiment. Et vraiment. Mais malgré tous les hauts et les bas, sincèrement. Et depuis que je te connais, Dimpy, ma vie a vraiment changé, tu sais. Et j'ai du mal à m'imaginer ma vie sans toi. Car vraiment, je te dis, je te dois tant. Tu m'as tellement donné, Dimpy. Par exemple, ça, oui. Mon crâne chauve. Dimpy, écoute-moi, je sais que toi et moi, il nous arrive souvent de nous disputer. Mais même si en fin de compte, je reçois plus de baffes que de baisers. Et c'est vraiment difficile parfois. Caral. Mais je les mérite certainement toutes. Et je sais que toi et moi, nous ne nous ressemblons pas vraiment. Mais nous nous complétant parfaitement. C'est pourquoi nous sommes ensemble et c'est pourquoi nous le resterons pour toujours. Dimpy Kapoor, je t'aime. Oh! Bon, écoutez les gars, il y a longtemps, votre premier anniversaire au même endroit et devant le même gâteau préparé par ma mère avec presque les mêmes personnes, il manque pourtant un détail. La chanson que maman et papa vous ont chantée. Pourquoi pas la chanter? Qu'en dites-vous? Pourquoi pas? Oui? Ok, Neil, mon pote, tu dois chanter. Vas-y. Oui, Madame Ragini, je ne savais pas que vous chantiez en duo. Chantez, s'il vous plaît. Oui, j'aimerais bien vous entendre. Pardon? Je veux dire, tout le monde et Suhani aussi voudraient vous entendre. Non. Non, désolé, je ne chante pas. Pourquoi pas? Allez! Parce que Agam, l'endroit est le même, l'occasion aussi. Mais la situation est différente. Nous serions incapables de chanter même si on le voulait. Bon, eh bien, si vous ne chantez pas, alors je vais chanter moi. En fait, je chante plutôt bien, non? Après tout, c'est notre fête, non, hein? Ouais. Ouais, allez! Toi, tu es l'unique pour qui mon cœur il bat. Je sens trop? Non? कहा तू है जहां मैं हूं वहां अब तो ये जीना
tere bin hai saza. Mes intentions n'étaient pas mauvaises. S'il te plaît, essaie de comprendre. Tu sais quoi, Erka? Moi, je pense plutôt que tu t'inquiètes. Que je vais créer des problèmes entre toi et Devika. Tu sais quoi? En fait... Oublie tout, hein? Désolée. Ce n'est pas de ta faute. Oui, en effet, tu m'avais bien prévenu que tu étais déjà fiancée. Et tu me l'avais dit. Tu étais très joviale, tu m'avais dit avec le sourire, je m'en souviens. Que tu annulerais sans problème tes fiançailles pour moi, et puis... Je t'ai entendu dire quelque chose au téléphone et je me suis dit que tu allais vraiment le faire. C'est de ma faute. C'est de ma faute, Erka, ce n'est pas la tienne. Pourquoi est-ce que je t'accuse de ne pas savoir ce que tu veux à ton âge quand j'ai moi-même fait une grosse erreur à mon âge? J'avais beaucoup d'attentes d'un homme qui ne m'aime pas, en fait. On dit bien que si on est amoureux de quelqu'un, il faut surtout penser avec le cœur et ne pas penser du tout avec la tête. Et je pensais, ce que j'ai fait en fait, ce n'est pas de ta faute. Ne t'inquiète pas, je ne veux pas que tu te mettes la pression et je te promets, Erka, que je n'interviendrai jamais entre toi et Devika. Je ne créerai aucun problème, je le promets. Et d'ailleurs, dès aujourd'hui, on ne parlera plus jamais du tout de ce sujet. Parce que jamais on ne trouvera de solution juste en parlant comme ça, que toi et moi. Pas maintenant. Ça va, ça va. Je comprends rien du tout. Erka, te voilà. Je t'ai cherché partout. Allez, on va prendre le petit déjeuner. Hé, ça ne va pas? T'es toujours tendue. C'est à cause d'hier soir? Oh, mon chéri, ne t'inquiète pas. Je vais très bien, là. Je ne suis pas en colère. Tu ne m'as pas prévenu que Pam était aussi venue. Je comprends. Tu devais avoir de bonnes raisons. Je comprends. Tu ne voulais pas me faire mal. Tu ne voulais pas que je sois jalouse. Et c'est pour ça que tu m'as menti. Je peux comprendre que tout ce que tu as fait, tu l'as fait par amour. Pour moi. Merci pour ta compréhension. Regarde qui sont là. Papa et maman. Bonjour, jeune homme. Excuse-moi. Qu'y a-t-il? Excuse-moi. Tu es surpris de nous voir ici? Tu es juste surpris ou triste aussi? Arrête. Pourquoi tu le harcèles comme ça? Il a beaucoup de surprises qui l'attendent. Oh, écoute, ma chérie, ça suffit avec cet amour clandestin. Maintenant, on arrête. Oh, on ne peut plus attendre. Il est temps de se marier. C'est pour ça qu'on a choisi une date finale pour votre mariage. Oui. Ce n'est pas tout. Vous allez vous marier dans 15 jours. Félicitations! Hé, Pam, Pam, viens là. Voici mes parents. Oui. Papa, la sœur de Neil. Pam. Bonjour. Voici bonjour. Ma mère. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations, Erka. Merci. Alors, Erka, c'était une bonne surprise. Surprise? La surprise qu'on ait choisi une date de mariage sans même vous consulter avant. Et Devika nous a dit que tu te tardais à l'épouser. Bien sûr qu'il veut m'épouser. On est très excités à l'idée de ce mariage. Erka, j'espère que tu rendras ma fille heureuse. Ne t'inquiète pas. Je vais bien m'occuper d'elle. Bien, on rend tous nos femmes heureuses. Mais je veux que ma fille soit aux anges. Ou bien, je te promets, on aura ta peau. Bon, ça va, papa. Pourquoi tu le menaces? Bien sûr que Erka fera en sorte que je sois heureuse. Devika, montre à tes parents leur chambre. Je vous en prie, allez vous reposer. Papa, maman, on y va. Bon gendre, viens avec nous.
Il faut qu'on parle de votre mariage. Karen, je pense qu'il y a un problème. Quoi? Eh bien, Erka n'avait pas l'air bien du tout. Bien, ça ne m'étonne pas du tout. Son beau-père vient de lui donner la date pour son mariage sans son avis, donc... Ça n'avait rien à voir avec le mariage. Il y a un autre problème. Je pense que Erka a des doutes sur ce mariage. Mais il n'y a rien de nouveau, là. 90% des gens ont des doutes par rapport au mariage. Et quand la date du mariage approche, souvent les doutes se doublent. Et puis ils essayent de s'enfuir du mariage. Ils ont la pétoche. Karan, je suis sûre que tu l'as vécu, non? Bien sûr. Je t'en prie, Ragini, ne lui en parle même pas. Tu sais ce qu'il m'a fait? On devait se marier le lendemain. Il m'appelle la veille du mariage et me dit « J'ai très peur, tu comprends? On fait un truc, on va en vacances et on peut se marier en rentrant. » Mais qui fait ça? Je ne savais même pas si je devais rire ou pleurer. Après ce qu'il m'avait dit. J'avais juste le trac, c'est juste que... Essayez de comprendre ce que je vous dis, c'est naturel d'avoir la pétoche. Oui, bon, d'accord. Mais je ne parle pas de ça. Il y a autre chose. Erka avait l'air perdu. Je pense qu'il a quelque chose qui le tracasse. Il faut que j'aille lui parler. Nachiket, je t'en prie, ne fais pas ça. Ça va le perturber encore plus. Et puis, vous, les Quoi? Hommes... Pourquoi tu parles des hommes comme ça, Ragini? Tu penses que c'est que les hommes qui ont des doutes? Les femmes n'ont pas de doutes? Elles sont toujours lucides? Tu insinues quoi? Oui, ok. Ça nous arrive d'avoir des doutes aussi. Mais quand on prend une décision, on s'y tient. On n'est pas comme vous. Quoi, vous y tenez? Quelle décision? Tu parles de quelle décision? Ça devient très personnel, là. On parle de RK. Exactement, on parle de RK, mais elle me parle de choses personnelles. Machiquette, je t'en prie. Je te demande de ne pas parler de tout ça à RK si ça peut le faire changer d'avis par rapport à son mariage avec Devika. Je veux dire, il y a une date officielle. Vous avez entendu? C'est ce que je veux dire. Quand est-ce que j'ai dit que j'allais aller le faire changer d'avis pour son mariage? J'en ai parlé. Pourquoi elle dit ça? J'ai dit que j'allais lui parler pour qu'il n'ait plus de doute et qu'on en finisse. Puis on n'aura pas de problème plus tard, c'est tout. Neil. Quoi? Ragini, écoutez, c'est notre anniversaire de mariage. Alors s'il vous plaît, ne vous disputez pas, c'est tout. Stop. Stop. Pardon. Ce n'est pas grave. Maman, je voulais ta crème. Ta crème pour le corps, celle que tu préfères? Regarde dans la valise. Tu ne m'as même pas appelée pendant que tu mangeais ces friandises toute seule. Je ne sais pas ce qui se passe avec ton régime maintenant. C'est lourd. Maman, je ne t'ai pas dit le meilleur. Le meilleur, c'est que notre voyage en Inde a été étendu de 15 jours. On reste pour le mariage de RK. Je n'ai pas pu venir au mariage de Nishi parce que j'étais aux États-Unis. Mais cette fois, je vais à tous les rituels. La cérémonie du aîné, la cérémonie du curcuma et tous les autres. Pardon? Tu peux me dire pourquoi t'es excitée comme ça? Pourquoi tout le monde est excité? C'est pour le mariage de RK, c'est ça? Donc c'est seulement lui qui devrait s'exciter pour ça? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu sautilles comme une bécasse? Pourquoi est-ce que ces choses t'importent? C'est bon. C'est bon. Laisse ça. Laisse ça, il y en a une autre. Oui, celle-ci, celle-ci. Oui, je suis sûre que celle-là est super pour ta peau. Serre-toi-en et... Celle-ci est pour Nishi parce qu'elle a la peau grasse, donc dis-lui que celle-ci, elle est bien pour elle après le bain et dis-lui de s'en servir matin et soir. Dis-lui de s'en servir deux fois par jour. C'est très important, d'accord? Qu'y a-t-il? Je suis désolée. C'est moi, mon bébé. Désolée. Je vais donner ça à Nishi. D'accord, juste une minute, attends. Prends ça aussi, sinon je vais tout manger. Ok, merci. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui me prend? C'était en 1971. J'étais en vacances quand j'ai reçu un coup de fil. Il y avait une guerre entre l'Inde et le Pakistan. Et le pays avait besoin de soldats dédiés et courageux comme moi. Je n'y ai pas pensé deux fois. Je suis allé à la frontière. Ah, oublie-moi, s'il te plaît. Écoute son histoire. C'est une belle histoire, Neil. Oui, arrête-la, Neil. Mais oui, il faut que je passe un appel. L'histoire de la guerre indo-pakistanaise de 1971. Monsieur, cinq minutes. Mais non, écoutez-moi. C'était pendant la nuit.
Il faisait très noir. Il fallait qu'on attaque l'ennemi avec ma troupe pendant la nuit. L'ennemi avait capturé la colline qui nous appartenait. Ok. Il fallait qu'on monte la colline. Il nous tirait dessus d'en haut. Il nous lançait des bombes, des bombes. On se battait contre l'ennemi. On est monté sur la colline ensemble. Et puis tout à coup, j'ai remarqué que toute ma troupe avait été tuée. Je n'avais plus de balles. Mais je n'ai pas abandonné. Hé, hey, Docteur Aman. Quoi? C'est une zone de danger, Aman. Le Docteur Neil doit avoir un plan. Bon, alors j'ai essayé de vous expliquer. C'est le Docteur Aman. J'ai du... C'est bon. Travail urgent, c'est... Tu peux le faire plus tard. C'est urgent. Monsieur, c'est le Docteur Aman. Il est médecin, mais c'est un médecin étrange qui s'occupe d'une cantine. Il prépare le menu. Mais avant tout ça, okay. Il voulait rejoindre l'armée. Mais à cause de... problèmes physiques, il n'est pas rentré. Il a essayé de rejoindre la police, mais il ne l'a pas eu non plus pour les mêmes raisons. Donc, il a une vraie passion pour toutes les histoires en rapport avec la guerre et l'armée. Donc, vous devrez lui raconter des histoires. Non, mais je reviens vite, monsieur, je vous assure, je reviens. RK ? Qu'est-ce qui ne va pas, RK ? Rien du tout. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je sais que quelque chose s'est passé, alors pourquoi est-ce que tu me mens ? Allez, dis-moi. Rien, je n'ai pas vraiment envie d'en parler. Il s'est avancé lentement vers le rocher, mais moi je l'attendais. Et puis tout à coup, je l'ai attaqué. Je l'ai attaqué, mais il m'a lâche-moi, lâche-moi. Et tout à coup, je lui ai pris son pistolet et je lui ai mis sur la tête. Et je n'ai rien fait, mais lâchez-moi. Il m'a supplié de le lâcher. Jeune homme, attends, attends, assieds-toi. Partir comme ça, mais c'est contre la discipline de l'armée. En fait, j'ai mal au ventre, j'ai des soucis là. Bon, vas-y, mais reviens vite. Oui, va. 2 minutes. Ne sois pas en retard. Allô? Namasté, Tante Vimla. Comment ça va? Qui est Jignesh? Oui, bien sûr, il est là. Vous voulez lui parler? Jignesh, c'est Madame Vimla. Madame Vimla. Ah, oui, Madame Vimla. Allô, Madame Vimla, oui. Donc là, 4-1, quoi? Quoi? Oh, tu oui. N'entends pas? Quoi? Si, monsieur, on va lui parler dehors, ok? Oui. 2 petites minutes, d'accord? Oui, oui. On revient tout de suite. Ils partent. Ils partent. Qu'est-ce qu'il a? Quoi? Vous voyez, mes histoires sont insoutenables. Le petit se met à pleurer. Monsieur, en fait, quand il entend des histoires comme ça, le pauvre devient très émotionnel. Monsieur, c'est votre histoire. Elle était si insoutenable que je dois partir. Je vais m'occuper de lui. Le pauvre, il pleure. Quels acteurs? De quoi parles-tu? Il n'y a pas d'acteurs. Ce sont des histoires très émotionnelles de notre armée. Ce sont des histoires insoutenables. Oui, elles le sont vraiment. Oh. Je rêve alors que je suis complètement réveillé. Et je suis sûr que si je ne trouve pas de solution, mon rêve se réalisera. Thank you.
Karan, écoute. Je n'ai pas vu Arka dans les parages. Cet homme parle tellement, je me suis tellement ennuyée. Et écoutez, ces histoires de guerre m'a endormi. Ouais, mais il faut applaudir le niveau de patience de Monsieur Aman. Son niveau de patience est là-haut. J'avoue, mon Dieu. Faut faire quelque chose pour Monsieur Armé. Il ne change pas souvent de discours. Il a fait quoi? Il est agaçant, il n'a trouvé personne d'autre, donc il a chopé un gardien. Monsieur, est-ce que ça va? Oui, ça va bien, ça va bien. Tu n'as pas honte? Comment oses-tu dormir? Tu es censé protéger la maison. Je vais t'apprendre une leçon devant tout le monde. Ah, mais qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi vous traînez le gardien comme ça? Ne me pose pas de questions stupides. Il dort pendant le travail. Vous, les civils, vous êtes responsables de ça. Allez me faire 50 tours autour de la ferme. Allez, Oust! 50? Allez, Oust, t'es dit! Aucune discipline du tout. Les enfants, si vous continuez à faire du sport tous les jours, vous serez physiquement et mentalement sains. Regardez-moi, Monsieur Neil. À son âge, il est en pleine forme comme moi. Et toi, qu'est-ce qu'il t'arrive? Mais monsieur... Il faut que tu fasses du sport. Monsieur, je suis mentalement sain. C'est ce qui compte. Où est mon futur gendre? Où est-il? Monsieur, où est monsieur... prenons quelque chose de bien fort. Allez, allez, monsieur. On va parler de l'armée. On va en parler. Comment ça s'appelle? Un bataillon, c'est ça? C'est bien ça, hein? Pam, écoute-moi, s'il te plaît. Allons dehors. Il y a tout le monde. Ils sont tous restés à l'extérieur. Tu es la seule qui est restée à l'intérieur. C'est mal élevé, Pam. Et je suis censée faire quoi dehors? Ils sont en train de parler de ton mariage. De ton mariage avec Devika, Erka. Tu veux que... je les écoute avec plaisir et que je sourisse et sois heureuse? Hein? Je n'en suis pas capable. C'est pour ça que je suis ici. Très bien, alors je reste ici avec toi. C'est toi qui vois. Jusqu'à maintenant, tu as fait uniquement ce qui te faisait plaisir. Alors fais bien ce que tu veux. Pam, s'il te plaît, écoute-moi. Mais d'abord, Erka, il faut que tu me lâches. Erka? S'il te plaît, essaie de comprendre ce que je te dis. Pam, où est-ce que tu as mal? Je veux dire, c'est foulé où exactement? Allez, dis-moi, sinon comment ça va guérir? Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit il y a quelque temps qu'elle avait mal à la main, juste là. Dis-moi, Pam, où est-ce que tu as mal? Dis-moi comment tu t'es fait mal. Rien de sérieux. Ça va aller. T'es sûr? Oui. Tu veux que... je te soigne? Erka, tu vois, ton futur beau-père te cherche partout. Pam, tu devrais... Écoute, Erka, je suis dans cette situation à cause de mes erreurs. Tu n'es pas en faute, là. C'est de ma faute, en fait. Juste de ma faute. Maintenant, je suis en train d'être punie pour ma stupidité et je le mérite. Est-ce que tu comprends? S'il te plaît, je te demande... Je te demande juste... Je te supplie de me laisser tranquille, maintenant. Je peux pas. Je ne peux pas, Pam. Est-ce que tu veux absolument que je t'accompagne dehors? Dis-moi. Je te prendrai la main et je t'accompagnerai dehors maintenant. Mais tu dois dire à tout le monde qu'on est amoureux. Moi et Pam, nous sommes amoureux. Est-ce que tu comprends? Tu pourrais le faire? Tu n'en es pas capable, Erka. Je t'avais dit que de parler de ces choses, envoyer des textos et me parler ne servent à rien. Ce qui devait se passer... C'est déjà passé, Erka. Donc je t'en prie de tout mon cœur, laisse-moi tranquille. Je le mérite? Non? S'il te plaît, va dehors. Tout le monde est en train de t'attendre. Va. Vas-y. Tu as raison. C'est un bataillon. Oui, tu l'as oublié. Excusez-moi. Merci.
Madame Ragini, vous n'avez rien mangé. Essayez du Moong Dal Halwa. Non, ça va. J'en prendrai après. Je l'ai fait faire spécialement pour l'occasion. Vous allez vraiment le trouver délicieux. Tenez, goûtez-en. Sanson, ko sanson, me dhalne do zara.